قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. Dans le secteur des postes et de télécom, vous mettez quelqu'un qui est incompétent et vous lui donnez un pouvoir de décision, il va cracher. إلى أي مدى تؤثر المنظومة القانونية في تطبيق البرامج المقررة ضمن الجزائر الإلكترونية؟ Pour que le technique fonctionne de façon légale sur le marché, sur le terrain, il faudrait qu'il soit précédé par le juridique. Ouais, ben, qu'est-ce qu'on dit dans le juridique ? Derrière les lois, il y a toujours des hommes. Et les hommes, ils doivent être là. لماذا فشل مشروع تعميم تقنية بصمة العين البنكية في الجزائر؟ Pour couvrir toute l'Algérie, elle ne va pas coûter plus cher qu'un seul avion. À part qu'un avion, il rend service à 300 personnes par jour, et ça, ça rend service à 15 millions de personnes par jour. Donc le coefficient d'efficacité est très vite fait. لماذا لم تتمكن الجزائر من تجسيد قرار اعتماد بطاقة التعريف البيومترية وكذا التصديق الإلكتروني؟ Le fonctionnement des structures aujourd'hui ne facilite pas l'accès aux jeunes Algériens pour apporter leur savoir et mettre en place ces dispositifs pour rendre la vie facile aux citoyens. Parce que l'objectif au final, c'est quoi? C'est le service public. هي أسئلة وأخرى يجيب عنها المدير العام لشركة ألجيري أدفايس وموزع إيريس جارد عادل خالف في حصة ضيف الاقتصاد. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.